explication véritablement philosophique. Au départ, il m'avait semblé, ou du moins je n'avais prétendu qu'un rôle méthodologique, ça me suffisait. Mais au fur et à mesure que je progressais dans l'analyse, j'ai eu le sentiment de plus en plus aigu qu'il y avait une raison profonde pour, d'ailleurs, une cause qui m'apparaissait tout de suite, à savoir que ce n'était pas n'importe quelle forme musicale qui pouvait aider à interpréter les mythes, et probablement pas les formes musicales exotiques qui peuvent être celles des peuples mêmes qui racontent les mythes en question ou des peuples voisins, mais que c'était les formes musicales qui étaient apparues dans notre propre civilisation à une époque déterminée, vers le 16e, 17e siècle, et qui ont régné sur la musique jusqu'au 19e ou jusqu'au début du 20e. Et alors pourquoi ? Ce que j'ai essayé dans la conclusion, qui s'appelle finale d'ailleurs, pour respecter la forme musicale qui préside à l'ensemble de l'ouvrage, ce que j'ai essayé de montrer, c'est que vraisemblablement, il s'est passé dans notre propre société, dans notre propre civilisation, un très grand phénomène en ce qui concerne les rapports du mythe et de la musique, c'est qu'au moment où le mythe a perdu sa mainmise sur la pensée de l'homme moderne, au moment où est apparue la forme romanesque, et ça on peut le situer autour du XVIIe siècle, eh bien à ce moment-là, la musique a assumé, sans s'en rendre compte, les formes de la mythologie expirante. Et que si, au départ, j'étais allé chercher dans la musique des formes qui devaient me permettre d'interpréter les constructions mythiques, la raison en était que la musique elle-même était allée les chercher dans les mythes au moment où les mythes avaient perdu leur valeur, leur fonction de civilisation. C'est donc pour des raisons tout à fait profondes et auxquelles je tiens beaucoup que j'ai utilisé cette comparaison qui a été plus qu'une comparaison, qui a été une sorte de fil conducteur d'un bout à l'autre de l'ouvrage. Je dirais que les mythes m'apparaissent comme de très très beaux objets et qu'on ne se lasse pas de contempler, de manipuler et on ne se lasse pas non plus d'essayer de comprendre pourquoi on les trouve beaux. Et peut-être que si je me suis si longtemps attaché à l'étude des mythes, c'est avec l'espoir qu'en parvenant à démonter ces objets esthétiquement admirables, on pourrait contribuer d'une certaine manière à comprendre ce que c'est que le sentiment du beau et pourquoi nous avons l'impression, enfin, qu'un tableau, qu'un poème, qu'un paysage est beau. Il est vrai, enfin, qu'on a souvent accusé le structuralisme d'anti-humanisme. Je ne dirais pas que c'est totalement faux, je dirais que c'est seulement à moitié vrai, parce que au total, qu'est-ce qu'on nous reproche ? On nous reproche deux choses, l'une sur le plan épistémologique et l'autre sur le plan moral. Sur le plan épistémologique, on nous reproche d'adopter sur l'homme un point de vue qui n'est pas celui du philosophe et celui du philosophe, je dirais, pratiquant l'introspection sur lui-même, c'est-à-dire de chercher à adopter un autre point de vue que celui du sujet. Je considère qu'il est parfaitement légitime que dans quelques recherches que ce soit, on choisisse le point de vue
qu'on estime être le plus efficace pour les résultats de sa recherche. Et si vous allez prélever une goutte d'eau dans la rivière qui est à côté de nous et que vous la regardez à l'œil nu, vous verrez un objet tout à fait réel, à savoir la goutte d'eau, mais qui sera un objet complètement différent de celui qui vous apparaîtra si vous mettez votre goutte d'eau sous la tourelle d'un microscope et que vous opérez des grossissements successifs. Parce qu'alors, au lieu de voir la goutte d'eau, vous apercevrez des animalcules qui se promènent à l'intérieur de l'eau, et puis, à la limite, si votre microscope est électronique, au lieu de voir les animalcules, vous verrez les molécules dont se compose et l'eau et le corps même de ces petites bêtes. Et puis si vous allez encore plus loin, vous pourrez voir des atomes, enfin, on n'insistait pas. Eh bien, tous ces points de vue sont parfaitement légitimes. Il s'agit de savoir ce qu'on cherche et quel est le point de vue qu'on doit, le grossissement qu'on doit adopter pour obtenir un résultat. Eh bien, nous choisissons un grossissement par rapport auquel, disons, la notion de sujet se dissout, s'efface, s'abolit. Nous étudions des mécanismes qui se passent à l'intérieur de la pensée, mais à l'intérieur d'une pensée qui déborde de tous les côtés ce petit secteur limité de pensée que le sujet croit lui-même appréhender. Donc là, je pense qu'on nous cherche une mauvaise querelle. Maintenant, il y a le point de vue moral qui s'inspire de considérations complètement différentes et qui, chez un ethnologue, ne peut pas lui être inspiré par le spectacle de la destruction monstrueuse, systématique des cultures différentes de la nôtre auxquelles l'Occident s'est livré, peut-être depuis très longtemps, mais disons, pour simplifier, depuis l'époque de la découverte de l'Amérique et depuis les grandes découvertes et la colonisation jusqu'à nos jours. Et nous ne pouvons pas isoler la condamnation de cette destruction de société humaine de toutes sortes d'autres destructions auxquelles on a assisté en même temps et on assiste bien davantage aujourd'hui, destruction des espèces animales, destruction des espèces végétales et autres. Et tout ça au nom de quoi ? Au nom d'un certain humanisme qui a été celui de la Renaissance et qui est resté le nôtre depuis, qui est un humanisme outrancier, un humanisme agressif par lequel l'homme se situe lui-même comme seigneur et maître de la création et tout le reste étant à sa disposition. Où est-ce que ça nous a conduit ? Nous le voyons, ça nous a conduit à des grandes guerres d'extermination, ça nous a conduit aux camps de concentration, ça nous a conduit à l'extermination d'une partie de l'humanité par elle-même et de cette partie même de l'humanité qui se considérait comme supérieure à tout le reste de l'humanité. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, l'humanisme classique a défini l'homme de façon beaucoup trop étroite. Il l'a défini comme être pensant au lieu de le définir comme être vivant. Il a placé beaucoup trop près de l'homme les frontières où s'arrêtait l'humanité elle-même, et par conséquent, il ne se trouvait même plus suffisamment protégé contre ses propres attaques, parce que le rempart était trop près de la place forte, si je puisse dire, et il n'y avait plus les glacis protecteurs qui pouvaient le garantir. Monsieur Lévi-Strauss, 30 premières. C'est bien le domaine sur lequel, ayant le sentiment de m'être toujours trompé dans le passé, je m'abstiendrai soigneusement de faire des prévisions dans l'avenir. Mais enfin, je ne peux pas dire que je me sens particulièrement à mon aise dans le siècle où le hasard m'a fait naître et que la manière dont il évolue ne me donne pas à penser que, sinon moi-même, mes descendants s'y sentiront davantage à leur aise que moi. Nous en avons déjà parlé à deux ou trois reprises. J'ai le sentiment qu'un monde qui tend à devenir surpeuplé, là même d'ailleurs où il ne l'est pas encore, parce que la densité même de la population se trouve démultiplié
Par l'accélération des moyens physiques de communication et des moyens intellectuels de communication. Enfin, fait que nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Enfin, il nous faut toujours un musée imaginaire, et le fait que l'expression soit née de notre temps est significatif, qu'il nous faille à chaque seconde avoir à notre disposition tout le capital intellectuel que l'humanité s'est trouvé avoir produit dans toute son étendue depuis son origine, et que ça nous suffise à peine pour nos besoins, me semble inquiétant pour un avenir qui, enfin dans la perspective où je me place, exigerait bien davantage cet équilibre entre, disons, la communication et la non-communication qui a été le caractère des grandes époques créatrices. Nous nous posons constamment le problème d'établir de meilleures communications entre les hommes, peut-être aussi une certaine surdité est-elle féconde du point de vue de la création véritable. Les grandes époques ont été celles où les hommes communiquaient suffisamment pour pouvoir se féconder réciproquement, et où en même temps la communication se trouvait freinée et ralentie de manière assez substantielle pour qu'ils puissent tirer pleinement profit des avantages de la communication proprement dite. Enfin, un monde où les lettres mettaient plusieurs semaines à se parvenir, bon, était un monde peut-être mieux équilibré que celui où nous vivons aujourd'hui. Mais cela, c'est tellement subjectif. Ça tient tellement à des raisons de tempérament, d'histoire personnelle, de caractère, que je crois que nous sommes tout à fait en dehors de ce qu'on peut demander à un homme de recherche de dire. Là, il retourne à la biographie, à l'autobiographie par laquelle nous avions commencé, et il s'écarte tout à fait des raisonnements plus solides qu'il essaye de faire, non pas du tout sur un avenir qu'il est incapable de prévoir, mais sur les matériaux beaucoup plus modestes sur lesquels il travaille et dont il essaye d'extraire quelques parcelles de vérité. Après 1972, le fondateur de l'anthropologie structurale a continué à appliquer sa méthode, toujours en ethnologie, mais aussi à l'art et à la littérature, analysant les grands maîtres qu'il ne cesse de célébrer, mettant au jour l'ordre secret qui gouverne leurs œuvres. Il publiera en particulier « La voix des masques »,« Le regard éloigné »,« La potière jalouse », De près et de loin, Histoire de lynx, Regardez, écoutez, lire.